Très bien, on peut. C'est la caméra qui guide l'ouverture du conseil. Merci, messieurs. Bien, alors ouverture du conseil municipal, vous notez l'heure. Donc on procède alors à l'appel et puis après on reviendra sur les sujets. Allez-y. Monsieur Fouquet. Présent. Monsieur Plumard. Présent. Madame Lefort. Présent. Monsieur Vegrinovski. Madame Courtine. Présent. Monsieur Bernier. Madame Taillefer. Présent. Monsieur Welch. Présent. Madame Picard. Présent. Madame Lacombe. Présent. Monsieur Delvert, pouvoir, Madame Courtine. Monsieur Piocel. Présent. Monsieur Latex. Présent. Madame Bartuccio. Présent. Madame Guillaussou. Présent. Madame Altavilla. Présent. Monsieur Dinal, pouvoir, Monsieur Plumard. Monsieur Chapotel. Présent. Madame Carca. Présent. Madame Co. Présent. Monsieur Ferreira. Présent. Madame Gloguen. Présent. Madame Gay. Monsieur Vérenard, pouvoir, Madame Bise, Monsieur Guy. Présent. Madame Baudou. Présent. Monsieur Déré. Présent. Monsieur Guérin. Présent. Madame Bise. Présent. Bien, nous avons le quorum. Donc, avant d'établir l'ordre du jour, on a fait un point supplémentaire qui est urgent à passer. Ça concerne l'inscription en adhésion à un fonds d'aide aux communes, puisque le département a modifié les aides aux collectivités. Vous savez qu'avant, il y avait le contrat intercommunal de développement, le CID, pour les communes au-dessus de 3 500 habitants, mais le CID devait passer par l'Interco, c'est-à-dire l'Interco approuvait par commune le programme, et ça partait au département. Et pour les communes en dessous de 3 500 habitants, c'était le FER. Alors, le FER existe toujours, le CID existe toujours, mais il est plutôt vers les Interco. Et pour les communes de plus de 3 500 habitants, le département a fait le FAC, le Fonds d'aide aux communes. Donc nous allons, et nous vous proposons que nous adhérons au FAC, c'est juste la volonté de faire appel, et puis par la suite, on verra les programmes qu'on inscrit, sachant que par le FAC, on peut obtenir une subvention maximum de 600 000 euros. Donc, ce n'est pas neutre. Voilà. Donc, si vous en êtes d'accord, on inscrit ce point au conseil municipal, parce que les premiers qu'ils voteront, je pense que ce sera les premiers servis. Et nous avons déjà un certain nombre de projets à inscrire. Voilà. Sachant que je vous rappelle, le premier CID qu'on avait signé à Marne-et-Gondoire s'interrompait, c'est pour 3 ans, s'interrompait au 1er juillet, là, 2020. Voilà, vous êtes donc qui est pour l'inscription de l'adhésion au FAC pour Monsieur Buy. Vous occupez de votre téléphone ou vous levez la main, vous votez? Dites, vous votez pour ou contre le FAC? Pour. Merci. C'est bien, merci. Merci à vous, ça nous aidera beaucoup, surtout en ces temps difficiles. Bien, on va vous le distribuer. C'est un peu précipité, mais on a vu cela en bureau lundi soir dernier, voilà. Les choses, vous savez, maintenant, on travaille en temps réel. Pardon ? Ceux qui suivent le Facebook indiquent qu'il n'y aurait pas de son. Ah bon ? Ah, il y en a, oui. Ben, le technicien va voir cela.
Madame Bise est très attentive, c'est bien. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est bien, parce qu'on voit bien l'intérêt du public et des habitants. Très bien, mais c'est bien. Bien. C'est bon. Alors, désignation d'un secrétaire de séance qui lève le doigt. Monsieur Ludovic Pereira, y a-t-il un vote contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Bravo Ludovic. Bien. C'est le début des responsabilités. donc nous passons à l'approbation de deux PV. Donc il y avait le PV de la séance du 26 juin et de la séance du 2 juillet. Concernant le PV du 26 juin, y a-t-il des remarques ? Oui. Oui. Vous m'entendez, là ? Oui. Madame Gay arrive à quelle heure ? 19h ? 19h06. 6. Oui, on oui, deux observations. Durant la dernière mandature, vous nous adressiez systématiquement les projets de procès-verbaux. Et on échangeait de façon tout à fait cordiale et constructive. Sur ces PV, ça n'est plus le cas. Or, on note que sur les dernières rédactions, il y a des absences quant à nos interventions ou des retranscriptions qui ne sont pas tout à fait, la réalité de nos débats. Donc, on souhaiterait, on demande en fait clairement le report du vote de ces deux PV et de nous les envoyer en ayant le temps de les corriger. Ou de les amender. Écoutez, vous avez eu suffisamment de temps ? Non. Non ? Non, ben non. Le temps de la convocation. Écoutez, quand vous serez avec des attitudes un peu plus responsables, on est prêt à faire des allers-retours. Je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que pour l'instant... Qu'est-ce qui est responsable dans nos attitudes ? Rien, rien, monsieur Derry. Ah bon ? Vous pouvez m'attendre que je dise les choses. Non, mais... Donc, nous passons au vote. Nous passons au vote et on reprendra, madame... Vous viendrez nous voir... Et on verra comment articuler maintenant les PV entre ah bah, nous. Très simplement, enfin moi je veux bien venir vous voir, mais très simplement en fait on mais demande non, simplement l'envoi par mail des projets de oui, PV. D'accord, ben, vous désignez... Après, je veux oui. dire, n'inscrivons pas notre débat dans des jugements de valeur qui ne servent à rien du tout. Non, non, mais je sais, mais ça je suis tout à fait conscient que vous êtes en dehors de cela. Voilà, absolument. Oui, et, oui, oui. Nous aussi. Hein. Ce n'est nous que, aussi. Ce n'est qu'un échange bien. De PV... qui n'engage personne et qui oui. sont simplement la retranscription de nos débats. D'accord. Voilà. Donc, comme le temps est passé, ça fait plus d'un trimestre, donc je propose qu'on vote ces PV et on tient compte de votre remarque et pour les prochains, on verra comment on travaille. Voilà. Sachant que ça se passait très bien avant. Bah, hein absolument. Donc, c'est pour ça que... Bien sûr. Mais je compte, bien sûr. Vous n'aurez aucune difficulté à nous envoyer les projets. Non, bien sûr. Donc, approbation du PV. Pour votre information, quand même, nous avons reçu les comptes rendus de PV que mardi. Oui, hein, dans les délais. Parce qu'il y a eu des oublis dans les envois électroniques. Ah, ça m'étonnerait. C'est vrai ? Ah, c'est vrai ? Ça ne m'est pas arrivé. C'est vrai ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme oubli ? Les PV ? Oui, tout à fait. Donc, on ne les vote pas. Comme vous voulez. Donc, on ne les vote pas. Mais je n'étais pas au courant de ça, vous voyez ? Très bien. Voilà. Comme quoi, je délègue. Comme je suis quoi, pas nous le, sommes de bonne hein, foi. Je ne suis pas l'autocrate que vous nommez à tout propos. Donc, on ne les vote pas. Vous ne les avez pas eu en temps en heure. On ne les vote pas. Vous ferez votre réflexe, vos remarques. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, affaire réglée. Ensuite, alors, délégation... À première délibération, délégation consentie au maire par le conseil municipal. Alors, effectivement, on annule le précédent, ce qu'on avait voté comme délégation au maire, et on les a réajustés en fonction du CGT. Et voilà. Hein, et on a mis des seuils. Ça n'existait pas, des sommes jusqu'où on pouvait aller, pas aller, et ainsi de suite. Donc on a repris article par article. Alors, on va les prendre un par un. Hein. Juste une remarque. Oui. Sur l'annulation de la délibération, c'est oui. 20-20-017, c'est à 20-20-024. Ah bon ? Bah oui. Ah vraiment. 20-20-017 concerne le CIAP.
c'est vrai. Je sais, bon, je... Non, mais... On note. Voilà. Heureusement que vous êtes là. Pas du tout. Vous avez le temps, hein, vous savez, nous on s'occupe de... Mais c'est bien, vous faites votre rôle. C'est comme ça. Mais on va le noter. Je n'ai pas plus de temps parce que j'ai une profession aussi. Donc pardon ? Je n'ai pas plus de temps, j'ai une profession comme vous. Hein. Ah non. On vous expliquera, mais vous savez, depuis le temps que vous êtes élu, mais c'est vrai que vous vous êtes tellement impliqué que je peux comprendre. Allez, donc... Je me suis impliqué à la hauteur que vous m'avez permis. Oui, monsieur. C'est-à-dire que pendant 14 ans, vous avez méprisé l'opposition. Monsieur Déré, j'ai la délibération 2020-017, je m'excuse. De synthèse du conseil municipal du 21 mars. C'est celle-là qui prend. Vous prenons 21 mars 2020. Mais peut-être que ça avait dû changer. Donc, note de synthèse, moi j'ai... Monsieur Déré, c'est la délibération qui est passée le mois de mai, qui est partie à la préfecture, le 25 mai, quand on a voté cela. Donc la note de synthèse n'était pas bonne. Voilà. Donc c'est bien la délibération. Donc on annule cette délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Voilà. Débat inutile. Alors ensuite, délégation consentie au maire par le conseil municipal. Donc on a tout repris et on a mis en... Voilà, on exerce 27 articles. Alors, on vous rappelle, je ne vais pas rappeler les articles, c'est toujours en fonction du... Chez ECT, oui. Pardon ? Bon, ben, écoutez, il n'y a pas de son qui part sur Facebook ? Si ? Avons-y travaillé, ça va arriver. Mais vous ferez... Mais on va le mettre, c'est là... Bon, on va le faire. Bien sûr. Alors, donc, l'article 1. Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des procédés communaux classiques. Donc, si vous avez des remarques, vous le dites à chaque article. Ensuite, l'article 2. Excusez-moi. Oui. On aura une déclaration sur la fin de toutes les remarques. Ah oui. Ben, vous la ferez, hein. Voilà. Oui. Alors, fixer dans les limites du montant, là, de 300 euros, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. On n'a pas ce genre de... On ne fait pas payer de droit à l'utilisation de l'espace public. Hein. Ça se fait dans des communes. C'est quand un déménagement, on met... des parkings à la disposition du déménageur, on peut faire payer des droits de voirie, on ne le fait pas, mais on l'a noté. Ça se fait dans des communes limitrophes, mais pas chez nous. L'article 3, procéder dans les limites des crédits inscrits annuellement au budget, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utilisées à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées à l'article, hein, les articles, il y en a deux, sous réserve des dispositions d'un paragraphe C de l'article 2221-5-1. Voilà, on a tout mis, là, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Voilà, ça c'est classique. Généralement même c'est noté au budget et on revient en délibération, ça change pas. Donc 4, prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution, le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget, hein, c'est toujours le budget qui pilote les décisions et les CAO pour les marchés publics, vous savez, il y a trois seuils, il y a trois types de marchés. Donc, article 5, décider de la conclusion de la révision du louage de choses, c'est le terme qui est employé, pour une durée n'excédant pas 12 ans. Et on s'en est servi.
passer les contrats d'assurance 6, ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres et afférentes. Voilà. Donc on est assuré un peu pour tout, mais il y a des indemnités qu'on verse à des personnes lorsqu'on crée des dommages, lorsqu'on est responsable. Article 7. Créer, modifier et supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Et c'est de plus en plus le cas, parce que vous savez, maintenant, c'est les buralistes qui encaissent les factures que l'on envoie aux habitants. Et après, il y a un circuit via la perception. Mais on n'est plus nos agents ne reçoivent plus de paiement en espèces, entre autres. Article 10, décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros. On a fixé le seuil légal, CGCT. Voilà. Tout ça, c'est... on ne l'a pas inventé. Et pour ceux où on avait des problèmes, on s'est renseigné auprès des communes avoisinantes. Alors, 11, et puis nos services juridiques. Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. On a démarché avec, effectivement, pour des assistances juridiques. 12. Fixer les limites de l'estimation des services fiscaux, domaines, le montant des offres de la commune, à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. C'est ce qui est fait à chaque fois qu'on préempte et qu'on veut céder ensuite un bien. Ou céder un bien. Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. Bon, ça, c'est avec l'éducation nationale, mais par moment, il faut peut-être... création, ça veut dire aussi construction. 14. Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Ça, c'est classique. Ça a été 1000 fois utilisé. Article 15. Exercer. Alors là, il y en avait une petite modification. Parce que notre conseil juridique nous a demandé de le modifier. Mais à la fin, c'est exercer au nom de la commune les droits de préemption définis dans le code de l'urbanisme. Que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L211-2 ou au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même code. Et on a effacé dans les conditions que fixe le conseil municipal, puisqu'il y a une délibération qui a été prise le 27 mai 2010 par... qui fixe les zones du plus où on peut préempter. Voilà, et ça a été joint en 2010, donc il n'y a pas nécessité de revenir là-dessus. Article 16, intenter au nom de la commune les actions en justice et de défendre la commune dans des actions intentées contre elle et dans les cas définis ci-après par le conseil municipal et de transiger avec les tiers dans les limites de 1 000 euros. Ça, c'est les domaines où on peut faire intervenir nos avocats. Article 17, régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal qui s'élève à 3 000 euros par sinistre. À ce jour, on n'a jamais atteint ce montant. On est plutôt à 2 700 euros, mais ça arrive les accidents. 18, donner en application de l'article L324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune, préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. Ça, on le fait. Article 19. Signer la convention prévue dans le quatrième alinéa de l'article L311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût de l'équipement d'une zone d'aménagement concertée, ou de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. On l'a déjà appliqué une fois. Article 20.
réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum. Et on a fixé le maximum de 250 000 euros. Et vous le savez, donc Madame Boudou, ça fait l'objet de discussions entre nous. 250 000 euros, on a fixé le seuil et vous savez que c'est des lignes de trésorerie. Et on a dépassé ce montant, je crois, en 2007. Hein, on était passé à 260 000 euros, mais on a fixé à 250 000. Et en 2018, on avait, on avait ouvert une ligne de trésorerie qu'on n'a pas utilisée. C'est surtout au démarrage de l'année civile pour payer des entreprises, pour pas qu'elles attendent, pour certaines, le vote du budget. Voilà. Donc, on s'est exercé et délégué en application de l'article L214-1-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune, dans la limite de 200 000 euros par opération, le droit de préemption défini à l'article L214-1 du Code de l'urbanisme. Et ça, c'était la préemption commerciale hein, sur les baux, les fonds de commerce. Et c'est une délibération que nous avions prise le 28 novembre 2018. Donc on maintient, voilà, l'ANI est dans le même... dans la même optique. On l'exerce peu, mais par moments, on se doit de l'exercer. C'est surtout un instrument dissuasif. Article 22, exercer au nom de la commune le droit de priorité défini à l'article L240-1 à L240-3 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans les conditions fixées par le Conseil municipal. 23. Prendre des décisions mentionnées à l'article L523-4 et L523-5 du Code du patrimoine relative à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. Et nous pouvons être assujettis à cela. Article 24. Autorisé au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre classique, hein, les différentes associations d'élus, voire départementaux. 25. Demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, alors là, c'est les subventions d'un montant égal ou inférieur à 300 000 euros. On a fixé le montant maximum et après ça passera bien sûr au sein du conseil, mais c'est toujours validé par le conseil. Donc l'attribution de subventions, c'est des subventions que la commune peut recevoir. Les demandes sont limitées, donc on a fixé les domaines, au domaine sportif, culturel, à la politique de la ville, à l'éducation, à la jeunesse, à la petite enfance, au social, au patrimoine communal et à l'aménagement urbain. Les demandes d'attribution de subventions pourront concerner du fonctionnement ou de l'investissement. Article 26, procéder dans les limites fixées par le conseil municipal au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification de biens municipaux. Donc article 27, exercer au nom de la commune le droit prévu à l'article 1 de l'article... Oui, c'est L, je crois, hein. De l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Et là, c'est les locaux insalubres. Et depuis peu, c'est l'exercice du permis de louer qui nous a permis de résoudre un problème qui datait de depuis plus de 10 ans, mais c'est effectif et on est là-dessus permis de louer, c'est avec Marne et Gondoire. Voilà, alors on dit que les délégations consenties en application du troisième paragraphe du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale et pour le renouvellement du conseil municipal, ce qui est classique. Et puis on précise qu'en cas d'empêchement du maire, le conseil municipal décide que les présentes délégations seront reprises par le conseil municipal, exercées par un adjoint dans l'ordre des nominations
et à défaut d'adjoint par un conseiller municipal décidé par le conseil municipal ou à défaut pris dans l'ordre du tableau. Voilà l'ensemble des délégations qui peuvent être consenties au maire, qui sont, bon, je pense, les plus claires possibles. Alors maintenant, si vous avez à dire, je vous écoute, on vous écoute. Alors pour répondre un peu à tout ça, nous avons décidé de vous faire une déclaration qui sera une réponse sur l'ensemble. Donc je vais vous lire la déclaration. Les élus d'opposition observent de nombreux additifs dans le projet de la délégation consentie à M. le maire par le conseil municipal, comparé à celui de la précédente mandature. Ces délégations n'imposant pas préalablement une présentation au vote du conseil municipal, les élus d'opposition considèrent que la délégation consentie à M. le maire, si elle était votée dans le terme de la délibération 2020-064, conduirait à soustraire bon nombre d'informations et de décisions aux conseillers municipaux et par conséquent aux théobaldiens. Notamment dans l'aspect financier, urbanistique, les élus de l'opposition considèrent que les décisions portant sur l'utilisation du budget et les opérations de financement doivent être soumises au vote du conseil municipal, tout comme les décisions relatives aux aménagements du territoire de la commune. Ratifier la délibération 2020-064 en l'état reviendrait à neutraliser l'action du conseil municipal, ce qui n'est pas conforme à l'OGMN de cette instance. Les élus de l'opposition demandent donc une refonte de cette délibération permettant au conseil municipal de débattre démocratiquement et de voter sur présentation et exposé de M. le maire avant tout engagement de la ville et non a posteriori. Le conseil municipal ne doit pas se limiter à l'enregistrement de décisions prises par le seul maire. Le conseil municipal doit rester un lieu d'échange des positions de tous les élus, préalablement au vote de toutes les décisions. Oui, mais bon, vous avez raison de l'évoquer, mais c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est un coup d'épée dans l'eau. Le maire, on vous le dit, ne peut rien faire et le maire ne peut rien faire sans le budget. Tout est inscrit dans le budget. C'est débattu en conseil, c'est voté en conseil. Les marchés, il y a une CAO. Et je pense que l'opposition est intégrée à la CAO, M. Guérin. Et je pense que c'est assez transparent. Oui, on vous a expliqué le fonctionnement dès le premier jour. Donc, bien sûr que vous... Je comprends à chaque fois, c'est l'éternel discours, voilà. Donc, c'est imposé par le CGCT, déjà. Hein. Toutes les communes votent cela. Hein. Vous savez, on n'a rien inventé. Hein. On n'a rien inventé. Et... Je veux dire, rien ne se fait sans l'avis du conseil municipal. Hein, vous croyez que le maire, il décide ? Ben non. Non, monsieur Déré, non. Alors, vous, on le dira. Et puis, voilà, c'est tout. C'est clair, on a mis des seuils, justement, on a bien figé, qui n'était pas le cas en 2014, parce que ça a évolué, hein, on a adapté, hein, on s'est appuyé. Donc, voilà. Mais tout est transparent. Tout est transparent. Il y a un contrôle de légalité derrière. Je veux dire, voilà. Hein, si vous ne faites pas, et on aura l'occasion d'en parler, ben on se fait rattraper et on vous dit non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Voilà. Et on revoit. Bien. Donc je propose qu'on passe au vote. Alors qui est contre ? Donc c'est bon. Il y a un pouvoir. Donc qui est pour ? Merci à vous. Bien. Alors... Ça nous permettra d'avancer et voilà, dans toute la transparence nécessaire. Bien, ensuite le tarif Baby Éveil. Alors c'est une activité qu'on a lancée, donc Catherine s'en est occupée. Donc je le dis, on a fait un essai au mois de septembre, il y a des demandes des familles et on a fixé, hein, je vais laisser à Catherine le soin d'exposer cela. Vas-y Catherine. Merci Monsieur le Maire. Donc pour la saison 2020-2021, il vous est proposé de créer un tarif par séance pour le baby éveil. 5 euros pour les familles théobaldiennes et 10 euros pour les familles extérieures. Cependant, à la suite de la première séance gratuite de ce samedi 19 septembre 2020, qui était établie en vue de préparer la saison à venir, il est souhaité de compléter cette offre tarifaire par la suivante. Pour une inscription pour 3 séances, il est déduit une séance qui sera offerte. Notre souhait, par ainsi, est d'offrir ce service à de plus nombreuses familles théobaldiennes. Très bien. Oui, c'est une activité où on a une psychomotricienne. C'est une séance le samedi matin,
hein, de trois quarts d'heure. Et donc, en fait, plus... il y a une vas-y. Séance... Pardon. Vas-y. Il y a une séance par mois, jusqu'au mois de mai. Le mois de juin, on l'a réservé, puisque c'était la fête de l'École municipale des sports. C'est un projet inter-service qui regroupe effectivement toute l'équipe du service des sports, du service de la petite enfance. Et il nous a paru nécessaire de faire intervenir une psychomotricienne pour avoir un avis d'expert, puisque vraiment ce baby éveil, c'est plus orienté sur le développement psychomoteur que purement physique de l'enfant. Voilà. Et ainsi, on accompagne le théobaldien de 0 à 98 ans, avec toutes nos presque activités. Et il y a le service des sports qui est intégré et qui travaille avec Catherine là-dessus. Voilà. D'autres des remarques ? Bien. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Allez, merci pour eux. Ensuite, tarification des classes D et stages spécifiques 2020-2021. Donc, effectivement, les classes D, bon, la difficulté avec la Covid-19, hein, les déplacements. L'inspectrice de l'Académie nous a annoncé tout dernièrement que l'annulation des classes D. Hein, donc, alors, on a ouvert cela à des stages spécifiques, parce que la classe D, il faut des nuitées. C'est une semaine avec des nuitées. Que là, on peut faire des stages d'une semaine, de quelques jours, sans nuitées, parce que dans les environs, on peut le faire, le kayak, la voile et autres, le poney. Donc, on donne la possibilité de faire ces classes en extérieur, sachant qu'on maintient la participation de 70% de la commune et de 30% des parents. On élargit, puisque je vous dis les classes D, pour l'instant, interdiction de l'éducation nationale de les programmer. Bien. Alors, y a-t-il des remarques ? Oui, c'est plus une demande de précision, puisque fut un temps, il y avait un tarif, pas un tarif, mais un montant par enfant pour que les directrices ou les enseignantes puissent oui monter leur budget. Donc oui, c'était juste pour savoir... C'est la même chose. C'est la même chose, et donc il s'élève... Ben, on va le décider, mais on ouvre et puis on va le décider. On est en train de travailler sur le budget, déjà, hein, malgré... Okay. Et puis on fixera les seuils, Martine, avec les élus... concernés, on fixera, mais on restera, oui, c'est dans le même principe. Dans les mêmes proportions. C'est le même principe. D'accord, oui, c'est merci. Le même principe. Bien, d'autres remarques ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci pour eux. Alors ensuite, règlement du cimetière, on a repris cela. Bon, vous l'avez dans l'annexe, hein, c'est l'annexe 1, je pense. Donc, vous avez les principales modifications sont en rouge, hein, donc voilà, c'est surtout de la rigueur dans la gestion des concessions, puisque les principes de retenue des concessions, on n'a plus de concessions, je dirais, éternelles, si je puis dire, perpétuelles. Et donc, on a actuellement le cimetière, l'occupation du cimetière est de l'ordre de 93%. On a prévu de l'agrandir et puis de faire le nouveau cimetière. Mais il y a beaucoup de concessions qui ont expiré depuis 2 ans, où on n'a pas de retour, des concessionnaires. Bon, donc on est en train de mettre tout ça à jour. Voilà, pour des reprises, hein, il faut gérer ça. Et idem pour le columbarium. Voilà, j'ai rien d'autre si vous avez des remarques là-dessus, sur ce sujet. Madame Gay, oui. Oui, je voudrais savoir, dans le premier, l'article 1, ce que vous voulez dire par carré musulman. Par ? Carré musulman. Pourquoi vous parlez de carré musulman alors que... Est un espace neutre, revient, oui, il n'existe pas, aucune division. C'est bien clair que c'est laïque. C'est laïque. Pourquoi on parle de carré musulman ? On le rappelle. Allez. Pourquoi ? On le rappelle parce qu'effectivement, on nous a demandé des carrés spécifiques musulmans. Et donc, du coup, on le spécifie dans le règlement, tout simplement. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de parler de carré musulman, puisque de toute façon, dans les articles, c'est bien dit que c'est laïque. Oui. Et pourquoi on parle des musulmans ? Pourquoi de carré musulman ? Il n'y a pas eu d'autres demandes, autre chose que des carrés musulmans ?
On note, on vous répondra, voilà. En clair, comme on est sur un règlement qui est laïque, totalement laïque, où il est possible à chaque religion oui, de mais pouvoir de pas mettre... de caractère. Il n'y a pas le caractère religieux qui apparaît. Ici, sur les pierres tombales, le caractère... Ah oui, mais d'accord, mais pas faire des donc, espaces spécifiques. On est d'accord. D'accord, c'est donc non, on l'a déjà fait. Hein. Oui. Ce qui est un peu mis en avant, c'est pourquoi non. mettre dans un règlement comme quoi on ne veut pas de carré musulman, alors oui. que la loi le spécifie en disant que c'est un point laïque. Donc oui, mais c'est laïque, donc, mais on ne veut pas... Bah, pourquoi le mettre dans le règlement ? Mais, dans la note de synthèse... Dans la note des synthèses en commentaire, constate un nombre de demandes croissant le département de carré musulman, a rappelé les caractères laïques d'un cimetière. Donc vous demandez à ce qu'il y ait des. Vous dites qu'il ne faut pas avoir de carré musulman dans le cimetière. Mais pourquoi stigmatiser une religion alors que le règlement. C'est clair, alors oui, que le c'est règlement vrai, vous avez fait raison. Que... On notera. Vous avez, d'accord. On ne veut pas d'espace spécifique religieux. Voilà. Hein. Mais dans le règlement, il n'y est pas. Il n'y est pas. Dans le règlement, il n'y est pas. Il n'est pas dit. C'est la note de synthèse où on le dit. Mais il n'est pas dans le règlement. Bien. Allez. Donc, d'autres commentaires ? Oui, c'est juste une précision pour être conforme à la loi. Sur l'article 9, il faudrait préciser par rapport aux chiens que c'est les chiens guides d'aveugles et des guides d'assistance. Sinon, on n'est pas conforme à la loi liée à l'accessibilité. Oui, d'accord. Bon. C'est important. C'est important, bien sûr. Puis les escargots aussi. Bien. Alors, on le note, mais attendez, le cimetière, c'est un lieu qui est ouvert sur deux rues. On ne fait jamais la chasse, alors arrêtez un peu. Mais bien sûr, allez, on vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Voilà, merci. On continue. Alors ensuite, des représentants. Alors, il y a l'OMS, c'est ça, on renouvelle. Les représentants, je vais laisser la parole à Christian. Oui, donc comme tout début de mandat, on est obligé de renouveler les membres du conseil municipal au sein du comité directeur de l'office municipal des sports. Donc le nombre de représentants du conseil municipal sont au nombre de 4. Donc c'est pour cette délibération, donc il nous faut élire les futurs 4 représentants du conseil municipal au sein du comité directeur de l'office municipal des sports. Pour votre gouverne, le comité directeur de l'OMS comprend 13 membres, donc 4 représentants de la commune et 9 représentants d'associations sportives. Donc on a notre liste, hein, propose 4 noms. Hein, on va vous distribuer... Donc il y a Philippe Piocel concernant notre liste, Sabine Picard, Martine Lefort et Ludovic Pereira. Et vous avez présenté M. Buy, c'est ça ? Marie-Paul Gay, M. Déré et Mme Bise. C'est ça les 4 candidats. Voilà, donc nous procédons au vote réglementaire et voilà. On ne veut pas avoir de contestation ultérieure. Donc c'est Cyrielle Gloagen et Ludovic Pereira qui vont faire passer l'urne et qui vont être les représentants pour le vote. Rigoureuse. Je ne commence pas.
Bien, tout le monde a reçu les bulletins, donc nous allons pouvoir débuter les opérations de vote. Monsieur Vouriot a voté. Voilà. Monsieur Plumard a voté. Madame Lefort a voté. Monsieur Welch a voté. Madame Courtine a voté. Elle essaye. Madame Picard a voté. Monsieur Chapotel a voté. Madame Mlle Gloaguen a voté. Madame Guillossou a voté. Madame Altavilla a voté. Madame Co a voté. Madame Gay a voté. Madame Baudou a voté. Monsieur Déré a voté. Je rappelle que les personnes qui ont des pouvoirs peuvent voter deux fois. Madame Bise. Madame Bise a voté. Monsieur Buis a voté. Tu m'en donnes deux. Monsieur Pereira a voté. Madame Carca a voté. Madame Bartuccio a voté. Monsieur Latex a voté. Monsieur Piocelle a voté. C'est bon. Monsieur Virginowski a voté. Donc pour Monsieur Dinal a voté. Et Madame Courtine pour Monsieur Delvert a voté. C'est bon. Avec vous pour la salle de Saint-Thibault. Non, mais donne le nom de la première personne. Non, la première personne, c'est Philippe Piocelle. D'accord. Alain Buis. Alain Buis. Alain Buis. Bravo. Philippe Piocelle. Philippe Piocelle. Philippe Piocelle.
Alain Buis. Philippe Piocelle. Philippe Piocelle. Philippe Piocelle. Philippe Piocelle, quel succès. Alain Buis. Alain Buis. Philippe Piocelle. 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 Okay. Donc, liste l'avenir ensemble à Alain Buis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Liste avec vous pour l'avenir de Saint-Thibault, Philippe Piocelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 29 au total. Bon. Voilà, donc la liste de Philippe Piocelle, 22 voix contre 7 pour la liste de M. Buis. De la même façon, et on aura l'occasion d'en reparler, les représentants au SDESM, donc le syndicat intercommunal. On a deux délégués titulaires et un délégué suppléant. Donc pour les titulaires, les sortants pour la majorité sont M. Wigrinowski et moi-même. Et en titulaire, Christian Plumard. Voilà, donc les sortants renouvellent leur représentation. Et donc, vous avez présenté trois aussi candidats. En titulaire, Madame Bise, Monsieur Guérin, et en suppléante, Madame Gay. Voilà. Donc, on procède au vote. Thank you.
Monsieur Verinowski a voté. Monsieur Bernier. Monsieur Bernier a voté. Madame Taillefer a voté. Monsieur Piocel a voté. Madame Lacombe a voté. Monsieur Latex a voté. Madame Bartuccio a voté. Madame Carca a voté. Monsieur Pereira a voté. Monsieur Guérin a voté. Monsieur Buis a voté. Madame Bise. A voté. Monsieur Déré. A voté. Madame Baudou a voté. Madame Gaille a voté. Madame Co a voté. Madame Altavilla a voté. Madame Guillossou a voté. Madame Gloaguen a voté. Monsieur Chapotel a voté. Madame Picard a voté. Madame Courtine vote deux fois pour elle et pour Monsieur Delvert. Monsieur Welch a voté. Madame Lefort a voté. Monsieur Plumard a voté. Et Monsieur Plumard pour Monsieur Dinal a voté. Monsieur Vouriot a voté. Sandrine Bise. Saint-Clair Vouriot. Sandrine Bise. Saint-Clair Vouriot. Saint-Clair Vouriot. Saint-Clair Vouriot. Saint-Clair Vouriot. Sandrine Bise. Saint-Clair Vouriot. 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 Sandrine Bise. Sandrine Bise. Sandrine Bise. Sandrine Bise. Saint-Clair Vouriot. Saint-Clair Vouriot. Saint-Clair Vouriot. Vouriot Saint-Clair. Allez. Ah, j'ai changé. Alors. Sandrine Bise, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saint-Clair Vouriot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Très bien, merci. Donc on continuera, et spécialement Jean-Claude, ce qui nous permet d'attaquer la deuxième, si je puis dire, délibération, travaux d'enfouissement de la rue de la Sente Verte. Alors pour rappeler, actuellement nous sommes dans la première phase, où on a découvert au fur et à mesure des tas d'imprévus. Là, on les a réglés financièrement. Hein, et les travaux de la première phase seront terminés dans les deux mois à venir. Mais nous prévoyons une deuxième phase
qui partira de la phase actuelle en remontant la Sente Verte jusqu'au chemin des Hauts-Bouillons. Nous avons fait faire l'étude au SDESM, hein, puisque nous adhérons au SDESM, mais comme je le dis, l'adhésion est au minimum. Donc voilà, les travaux prévus pour la deuxième phase sont évalués à hauteur de 109 521,60 € TTC. Dans la note de synthèse, vous avez la décomposition, et sachant que le SDESM nous subventionne, si je puis dire, à hauteur de 18 000 €, il restera donc 91 000 € à régler par la commune, et on le fera bien sûr en fonction de nos possibilités financières, mais le but c'est de faire par phase toute la Sente Verte, et ensuite il faut remonter la rue de Lagny. Voilà, donc il convient de m'autoriser à signer cette convention de maîtrise, déjà de maîtrise d'œuvre au SDESM, hein, qui lui mène le chantier, désigne l'entreprise, hein, vous l'avez en annexe 2. Voilà, donc deuxième phase des travaux. Y a-t-il des remarques ? Non. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Ça va. Et vous savez qu'à fur et à mesure, nous passons l'enfouissement et nous passons au LED. Voilà. Donc très bien. Nous allons donc nous rapprocher du SDESM. C'est d'ailleurs déjà fait. Alors ensuite, annulation de la délibération 2015-080, prescription d'une révision générale du plan local d'urbanisme. Et vous voyez, ça prouve que nous sommes surveillés. Nous avons pris une délibération en 2015, le 8 juillet 2015, pour une révision générale du plan local d'urbanisme, le PLU. Mais nous ne l'avons pas réalisé. Nous avons juste, disons, lancé trois modifications. Comme on vous le dit dans la note de synthèse, une modification numéro 1 qui a été prouvée le 3 février 2017, une modification simplifiée approuvée le 21 septembre 2018, une révision allégée approuvée le 18 décembre 2019. Et nous avons voté tout dernièrement, le 26 juin 2020, délibération 2020-044, une révision générale du PLU. Mais la direction départementale des territoires nous dit qu'il faut annuler celle de 2015. Donc nous annulons la délibération de 2015 qui prévoyait une révision générale. On l'annule. Donc on peut lancer maintenant, en fonction de la délibération de 2020, notre révision générale du PLU. C'est juste, voilà. Donc, comme quoi, vous voyez, à 5 ans, voilà, l'administration sait nous ressortir les délibérations. Voilà. Bien, y a-t-il des remarques ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Bravo. Ben, vous savez, je vais vous dire, je vous aime l'opposition quand vous êtes comme ça. Bon. Aimer le principe même de l'opposition de temps en temps, c'est non, de pouvoir vous poser des questions constructives, monsieur le maire, voilà, auxquelles très vous bien. Ne manquez très pas bien. De répondre. Mais ça ne m'étonne pas de vous, madame Boudou. Ça ne m'étonne pas de vous. Bon, alors ensuite, le CIMVEB. Donc, le CIMVEB, c'est un syndicat, vous savez, qui était essentiellement syndicat mixte de vidéocommunication de l'Est parisien. Bon, notre représentant est bien sûr Stéphane, qui a été dernièrement pour l'élection du président, des vice-présidents, mais c'est un syndicat qui va être amené à disparaître. Pourquoi ? Vous savez que ça avait été lancé sur le SAN du Val-Maubée. C'était Canal Coquelicot, essentiellement, la télé locale et autres. Et il y a une lettre qui nous est arrivée le 2 juin où ce syndicat, dans les deux années qui viennent, va disparaître. Le numéricable, CSFR qui reprend tout. Il y a des décisions. Le président de Négociatia, c'est M. Paul Miguel, qui nous a fait une lettre en juin 2020 et qui nous dit que le syndicat va disparaître et qu'SFR reprend tout. Il reprend le réseau et qu'à travers la reprise du réseau,
il y aura un bénéfice pour le syndicat et qui sera un bénéfice partagé, une recette créditrice qui sera partagée avec toutes les communes adhérentes voilà, à la fin de cette résiliation. Donc, et la répartition se fera sûrement au nombre de prises. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en 2017, et on avait voulu sortir du syndicat parce qu'il n'amenait rien, on payait 14 000 euros d'adhésion, 2 euros par habitant. Et petit à petit, du fait de la délibération, la disparition de Canal Coquelicot, en 2018, on a payé que, on a réglé que 2 300 euros, 0,36 euros par habitant, et en 2019, 525,52 euros, puisque la contribution par habitant était de 8 centimes d'euros. Voilà. Donc, il va disparaître. SFR reprend le tout. Et puis, voilà. Donc, le rapport d'activité, je pense que ça va être un des derniers, hein, c'est 2019. Vous avez les communes adhérentes, hein, qui sont, voilà, qui sont assez éparpillées, d'ailleurs. Et vous avez, bon, tout le détail, hein, de, voilà, des prises... des travaux faits sur le réseau, sachant que le réseau numéricable, c'est la TNT. Hein, c'est le cuivre encore, alors ce que ça deviendra, mais il est là. D'ailleurs, ça, avec Jean-Claude, on s'est aperçu qu'il passait justement dans la Sente Verte et on n'avait pas de plan. Et quand on a fait les travaux, ben on s'est aperçu qu'il y avait ce réseau qui date depuis maintenant peut-être 40 ans et qu'il y a deux abonnés dessus. Mais bon, voilà. Donc, ce qu'on vous demande, c'est effectivement voilà, de donner votre avis sur le rapport d'activité. Ouais, je dis, voilà, je vous ai donné les principales explications. Y a-t-il des remarques? Bien, donc, nous donner un avis favorable au rapport d'activité donc d'une Synweb. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Et qui est pour? Merci, parce qu'on va avoir, on va toucher un peu d'argent. Voilà. Bien, alors ensuite, renouvellement de la labellisation de la structure information jeunesse. Vous savez, c'était le PIGE, après c'est devenu le SIGE, la structure information jeunesse, qui a été mise en place par la commune en 2017. C'était, comme on vous le dit, un lieu de ressources pour les jeunes de 1 à 25 ans. C'est les ramener soit vers l'éducation, soit vers l'emploi. Voilà. Et donc, on arrive aux 3 ans de la précédente labellisation et il convient de la renouveler. Le renouvellement est prévu en novembre pour une durée de 3 ans. Et c'était hier... On a fait un forum, hein, sans solution pour la rentrée. Bussy avait des problèmes pour l'organisation à cause de la Covid. Et nous l'avons organisé, nous avons pris le relais. Je pense que l'année prochaine, on a convenu avec les élus de Bussy qu'ils le fassent. On a eu 91 jeunes qui sont venus, 10 familles. Il y a eu 40 sociétés ou partenaires qui étaient là, gendarmerie, l'armée, et ont proposé aux jeunes... des contrats d'apprentissage, soit voilà, retour vers l'emploi. Et vous savez, la période qu'on va traverser, et j'étais encore cet après-midi à la mission locale des Boucles de la Marne, hein, qui s'occupe aussi de l'encadrement des 25 ans et plus, et on a vu les statistiques, il y a 30% de demandeurs, là, de jeunes, 25 ans, il y a même des bacs plus 5 qui viennent à la mission locale pour trouver du travail ou des orientations. Donc ça devient critique. Alors à tout hasard, monsieur le président de la mission locale, qui est le maire de Lagny, puisque c'est lui qui les accueille, il a demandé à ce que je sois vice-président, parce qu'à un moment donné, je m'étais occupé et j'avais sauvé la structure, parce que du temps de l'ancien président, les missions locales devaient disparaître. Et je me suis battu avec le directeur pour conserver. Donc, j'ai été nommé vice-président, mais sans indemnité. Hein, ça ne rentre pas dans les 8 500 euros que je touche par mois. Je vous le dis, on rétablit la vérité.
Voilà. Donc, effectivement, et le forum, Anne-Florence qui organise ça, a été, voilà, superbe. Félicité par tout le monde. Bon, des fois, ça, c'est bien. Quand on a un peu de compliments, ça fait du bien. Bien. Alors, renouvellement de la labellisation de la structure information jeunesse. Y a-t-il des remarques ? Allez-y. C'est quel article ? 22 ? Non ? Allez-y. Allez-y, bah, allez-y. Non, je me permets juste, si je peux, faire une intervention qui est uniquement parce que cette structure, effectivement, a un intérêt, puisque comme vous l'avez souligné, l'accompagnement et l'information des jeunes est primordial, déjà en temps normal, mais avec la crise sanitaire encore plus. Et donc, nous aurions souhaité avoir un petit bilan des actions qui étaient menées. Là, vous venez nous présenter ce qui a été fait récemment, et on sait qu'il y a d'autres actions qui sont menées. Donc, serait-il possible, à l'occasion d'un conseil municipal, ou de nous envoyer en fait un petit bilan de ce qui est fait, bien le nombre sûr. De jeunes touchés, pour qu'on ait un retour sur ce qui est fait. Sachant qu'on fait des actions, on vous fera un petit bilan. Mais j'hésite à le faire parce que, vous savez, on lit comme ça dans des documents qui sont distribués que la majorité suit les objectifs, les conseils de l'opposition. Alors, j'hésite à vous publier tout ça, mais on le fera, Madame Bis, bien sûr. Ça m'étonne parce que vous étiez dans le Conseil, on en a suffisamment parlé, mais alors, on vous le fera parce que ça évolue. Je ne dis pas qu'on ne connaît pas le fonctionnement. Non, et, mais c'est vrai. Et c'est ayant vrai. Des enfants qui rentrent dans la tranche d'âge, je reçois un certain nombre d'informations. C'était vrai. Uniquement d'avoir un bilan, comme ça a été fait pour les activités périscolaires, etc. Donc c'est bien de l'information, non, c'est pas. On va le faire. C'est pas de la provocation. Vous savez, quand on est élu, on s'occupe aussi de l'ensemble de la population et pas forcément de son cas personnel. Mais je dis ça comme ça, c'est mieux, c'est mieux. Mais je comprends que vous vous inquiétez pour vos enfants et moi je m'inquiète pour mes petits-enfants. Au-delà de ça, n'hésitez surtout pas, parce que ça fait partie quand même des droits d'information du Conseil municipal. On est d'accord, mais oui, c'est municipal. C'est juste un Madame Boudou, vous avez raison. D'accord. C'est une nouvelle structure qu'on leur met en place. Déjà, on lui a affecté des bureaux parce qu'elle n'avait pas. Et pour le futur, elle aura un local bien dédié, hein, justement pour qu'elle puisse recevoir ses jeunes et d'être plus efficace. Et puis, surtout, c'est qu'on a lié beaucoup de liens avec le département, avec la direction départementale de la cohésion sociale, hein, qui est venue le jeudi, qui a passé avec deux chefs de service, qui a passé la journée avec nous, hein, et ils sont venus visiter, vous savez, le centre de loisirs, comment Dispendieux, c'est ça, Dispendieux, et bon, ils étaient un peu étonnés de ce qui se passait, de l'activité, hein, et puis ils sont venus, bien sûr, au forum l'après-midi pour voir l'activité, et à travers la DDCS, qui n'amène pas des subventions, mais ils nous aident, aller chercher des subventions, hein, Elisabeth le sait, Evelyne le sait, pour à travers les partenaires, la région, la CAF, tout ce qui existe comme organisme institutionnel et qui peut venir nous aider. Donc on est parti aussi dans ce schéma-là. Mais on vous donnera bien volontiers, parce que c'est une structure qui évolue. Ainsi, on nous a demandé d'ailleurs de faire la nouvelle labellisation pour 3 ans, donc on le lance. Mais on vous fera un topo. Bien, y a-t-il des votes contre, abstention, pour ? Merci. Et les jeunes, merci pour eux. Il n'y a pas que, malheureusement, il n'y a pas que les jeunes. Alors ensuite, là aussi, c'est on joue sur les termes. On avait ces trois, ça date 1993, vous voyez, il faut se battre, il faut y arriver. Ces trois parkings, on en avait déjà parlé, qui sont rue de Torcy. Et lorsqu'il y avait eu une négociation, hein, du temps de Marc Brinon, il y avait eu un échange de terrain, parce qu'on avait fait l'alignement de la rue de Torcy, et il y avait les petites maisonnettes, et on avait fait un échange pour trois parkings. Et c'est un échange. Et quand on a fait l'acte et la délibération, on a mis cession. Mais ça, voilà. On ne peut pas. Donc, on reparle d'un échange, parce que cession, on fait intervenir les domaines,
les domaines nous ont dit le parking c'est 5000 euros. Si on va voir les propriétaires pour leur dire, je sais plus, ouais, vous voyez, 27 ans après, vous allez payer 5000 euros, je pense que. Et puis c'est pas les mêmes d'origine. Hein, donc voilà. Donc on annule la délibération 2020-005. Bon, le notaire a fait une petite bévue. Et puis sur les trois places de parking. Et pour changer, on annule la session et vous verrez dans l'autre, on parle d'échange. Bien, qui a des commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Merci pour les propriétaires. Alors, on reprend une nouvelle délibération. Échange des mêmes parcelles, puisque là, c'est bien un échange. Et on vous retrace toute l'historique. Voilà. Donc, pas de remarque. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Qui est pour? Merci. Bien. Ensuite, modification du tableau des effectifs. Bon, là, c'est pas des embauches, hein. C'est aussi pour les animations, des contractuels. C'est pour l'animation, vous savez, il y a un turnover. Il y a trois postes d'adjoints et une suppression d'un poste d'aide opérateur des activités physiques, puisque la personne a pris un grade au-dessus, donc il a été nommé et on annule son poste. Voilà. Y a-t-il des remarques? Oui. Lors du conseil municipal du mois de juin, il avait été acté qu'on puisse disposer d'un organigramme des services. Oui. Donc nous rappelons juste la demande à laquelle vous aviez accédé. Oui, alors vous l'aurez, je pense que vous allez bientôt avoir une entrevue pour parler du règlement intérieur. Je crois, oui. Hein? Donc on vous remettra, c'est un organigramme fonctionnel, il est finalisé, on est en train de le vérifier bien sûr, hein. Mais vous l'aurez. Il est prêt, et lorsque vous verrez, puisque c'est vous qui êtes délégué pour, avec Christian et Ludovic pour parler du règlement intérieur, on vous le donnera. Donc voilà. Vous l'aurez la semaine prochaine. Oui, ok. Bien, donc, modification des effectifs, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, merci pour eux. Alors, donc, nous avons épuisé l'ordre... Ah oui, non, pas tout à fait... c'est la fameuse le point supplémentaire. Donc on vous a distribué, c'est la candidature de la commune de Saint-Thibault donc à un fonds d'aménagement communal, le FAC, auprès du département de Seine-et-Marne, et dans la note de synthèse on vous dit voilà ce qu'il en est. Donc il convient qu'on valide la candidature et de m'autoriser à effectuer toutes les démarches, hein, donc à lancer les pièces pour demander les subventions au département. Y a-t-il des remarques? Bien, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Bien. Ensuite, question... Il y avait donc les décisions. Y a-t-il des remarques? Non. Donc, très bien, merci. Alors, questions diverses. On en a reçu de votre part... un certain nombre. Voilà. Alors, dans les questions diverses, bon, il y avait les désignations, mais ça, on l'a fait. Ensuite, c'est Madame Bise qui nous a envoyé les questions. Très bien. En temps et en heure, c'est parfait. Alors, place Monet. Alors, comme quoi, on rappelle les faits. C'est factuel. Suite au déjeuner avec Epamarne, je ne m'en suis pas caché. Pourriez-vous nous faire un point sur le projet de réaménagement de la place Claude Monet et de nous indiquer comment est organisée la concertation avec les habitants? Donc, vous savez d'où on est parti, où on compte arriver. Pour l'instant, Epamarne nous avait fait un projet que nous avons quelque peu contesté. Voilà. Donc, un élu est disponible 24 heures sur 24. J'ai profité de mes vacances. Vous savez, j'aime bien dessiner, j'aime bien. Donc, j'ai fait un contre-projet, surtout sur les 10 maisons, je vous le dis, qui sont prévues à la place du LCR, parce que je n'étais pas d'accord avec Epamarne. Donc, on leur a soumis un contre-projet
On n'a pas la réponse des Pamarne, on va bientôt avoir une réunion, mais certes, ça ne sera pas un déjeuner, là. Hein, voilà, je vous le dis. Ne reposez pas la question suite à un déjeuner, il n'y en aura pas. Donc, on va recevoir les Pamarne, et en fonction de cela, voilà, on verra. Donc, sachant que, malgré cela, on a des contacts avec les représentants des propriétaires, des commerçants et du quartier. Hein. Il y a des représentants avec qui on communique, à qui on dit. Et puis le reste, on verra lorsque nous serons prêts. Voilà la réponse. Ensuite, Covid-19. Pardon ? Excusez-moi quand même. Oui. Parce que pour l'instant, vous avez répondu que vous continuez les négociations avec Epermarne, oui, et que vous avez proposé un projet. Oui. Il aurait été intéressant que le conseil municipal puisse le voir. Alors peut-être, j'espère que votre majorité l'a pu le consulter et est très au courant des faits. En ce qui concerne pour nous, on n'est au courant de rien. Donc, encore une fois, dans cette démarche-là, oui, vous n'êtes pas en adéquation avec les propos que vous tenez, bon, et les faits. Pardon. Oui, il sera finalisé. Mais Monsieur Déré, il faut que vous vous mettiez un peu dans la tête que, voilà, vous n'êtes pas dans la majorité, que nous, on travaille ensemble, qu'on fait des propositions, on fait avancer, et lorsque le projet sera définitif, vous serez au courant. Ce que vous n'avez pas compris, le fonctionnement de cette enceinte, peut-être, oui, c'est, oui, que l'ensemble des élus sont égaux. Oui. Et alors, l'opposition, oui, dans cette enceinte-là, oui, est tout à fait le même droit que, oui, vous. Oui. Donc, quand, oui, on vous demande d'avoir le projet en amont de quand vous le proposez, ben, on l'a à Epamarne, eh ben, non, vous ne nous l'avez pas proposé, rien du tout. Ah bon ? Rien du tout, bon, encore une fois. Exposé. Bon, voilà, vous avez fait un choix. Je ne parle pas, et puis il faut savoir passer dessus. De la campagne électorale. Mais de quoi vous parlez ? Moi, non, je ne vous pose pas rancunier. Mais il n'y a pas d'être rancunier. Vous avez choisi un chemin. Ben, le chemin. Mais encore une fois, je vous rappelle que dans cette enceinte, tous les élus sont égaux. Tous les élus sont égaux. Et bien sûr, on doit être informé au même titre que les élus de la majorité. Ça n'empêche pas de raconter des hein, voilà, c'est tout. Alors, vous le saurez. Allez plus loin, c'est intéressant. Non, je dis rien. À chaque fois, vous avancez des petits mots. Vous le saurez en temps et en heure. Non, voilà. Ben c'est dommage parce qu'on aurait dû le savoir avant même que le projet soit présenté à Epamarne. Non. La démocratie, c'est ça, monsieur. Ben oui, c'est la démocratie. Quand on vous dit en 7, c'est Epamarne 14 parking, levez de bouclier, on ne regarde pas autour et on sème des fausses informations. Donc vous aurez les informations une fois que. Voilà. Non, ben si, c'est Epamarne. Ben si. On travaillera ensemble, c'est tout. Excusez-moi, mais au-delà du conseil municipal et de vos relations qui sont toujours délicates avec l'opposition, on va dire... Mais qui est-ce qui le cherche ? Excusez-moi. Qui est-ce qui cherche ces relations ? Excusez-moi. Je ne suis pas dans ce registre-là. Je dis simplement que... Non, mais je vais vous dire, je dis simplement que les voisins de l'ancien LCR, l'environnement de l'ancien LCR souhaiteraient simplement connaître votre projet. Même s'il n'est pas enterré définitivement. Ils le sont, associés. Donc, c'est pas Violette Baudou, c'est pas Philippe Déré qui tiennent absolument à avoir la primeur de l'information. Mais arrêtez, ils le sont. C'est l'ensemble des gens qui vivent dans ce quartier qui souhaitent avoir des informations. Mais ils le sont, voilà. Ben non, ils le sont pas. Mais si, je vous amènerai le mail. Ah oui, et puis, attendez. Je vous amènerai le mail. À l'heure de Facebook, à l'heure de tous les réseaux, à l'heure de la communication qui est quand même particulièrement plus facile aujourd'hui. C'est bien. C'est pas avec un mail qu'on informe la population. Laissez-moi, il y a des référents avec qui on travaille, voilà. Donc, vous le saurez en temps et en heure. Covid-19. En toute transparence, comme vous le dites. Mais toujours. Toujours. On vous dit les choses, vous les transformez. Alors, Covid-19, s'il vous plaît. Covid-19. La Covid. Vous savez pourquoi elle est au genre féminin ? Ah. Faites attention, parce que ça peut déraper, là. Oui, j'ai la traduction. Oui. À cause d'une traduction anglaise, et qui dit « disease », la maladie, et qui donne le féminin à la Covid. Voilà. Voyez,
Et qu'est-ce que je dois en conclure? Rien du tout. Pourquoi on dit la Covid? Ah bon? Alors, non, mais qui est le référent de la Covid de la commune, en particulier pour le personnel? Je m'étonne que parmi vous, il y a des conseillers qui ont vécu des années à côté de nous. Le personnel, c'est Madame Bideau, voilà, qui gère en fonction des arrêtés préfectoraux, des consignes du préfet, puisque vous savez, ça tombe tous les jours. Et puis, en fonction des services, ben, il y a un protocole sanitaire qui est mis en place avec les chefs de service et c'est appliqué. Voilà. Que ce soit les sports, que ce soit le culturel, que ce soit le scolaire, que ce soit le périscolaire. Et on adapte au fur et à mesure, au jour le jour. Voilà. C'est cadré, c'est fait. Voilà. Donc, c'est... Et il y a un protocole, justement, par mission, par fonction. Donc, voilà. Donc, les primes. Les primes, on vous l'a dit, le coût, le montant, c'est 25 945,52 euros. Elles ont été attribuées à 113 agents sur les 135. Et les primes versées vont de 0 à 1000. Voilà. Hein. Vous faites la différence et puis vous avez ceux qui n'en ont pas eu pour diverses raisons. Et là-dessus, effectivement, il n'y a pas de cotisation sociale. Et si vous faites la moyenne, hein, je vous laisse faire 25 000 par 113, vous verrez en moyenne ce qui a été versé par agent. Ça vous donne une indication. Voilà. Voilà notre réponse. Horaire du conseil. Alors pourquoi 18h30, 19h au lieu de 20h30? C'est vrai que de plus en plus, dans toutes les réunions que nous avons, bureau communautaire, on a remonté les heures parce que 20h30, c'est tard et on est plutôt sur une phase à 19h. Hein. Là, on a fait des conseils d'administration à 16h. Bon, voilà. C'est comme ça. Donc, 19h, ça semble une heure correcte pour que tout le monde soit là. Voilà, on a fait un tour. Mais on le fait, hein, Marne-et-Gondoire, c'est 19h. Et vous avez fait un tour avec qui? On a fait le tour des collectivités autour. Ah oui, mais la vie, la vie du conseil quand même est importante. Alors, non, monsieur Déré, ne vous en déplaise. Moi, je suis président du syndicat de transport. Ça ne me déplaît pas pour autant. Non, mais je vous le dis. Et alors, vous savez, vous vous êtes astreint à me faire une réputation, je ne reviendrai pas dessus, mais au syndicat de transport, il y a 36 membres. 36 membres au comité syndical. Ça représente 31 communes, 150 000 habitants. Et il le sait, monsieur Buis. Eh bien, j'étais élu, je vous le dis, humblement, à l'unanimité des 36 membres. Je vous le dis. Il n'y avait pas d'opposition. Il y avait d'opposition. Non, mais il si. Pas. Mais si. Donnez-moi le nom. Ben si. Ben, donnez-moi le nom de l'opposition. De toute façon, il y avait donnez-moi le nom qui s'est présenté contre vous. Mais parce que c'est le bilan de 5 années de travail. Mais je ne mets pas en doute cela. Je ne mets pas en doute cela. Vous ne ramenez pas tout à la politique, monsieur. Vous me dites, il n'y avait personne. Vous avez été élu à l'unité. Il n'y avait personne en face de vous. Il y a des gens de tous horizons. Je suis d'accord avec vous et j'en connais certains. Et je vous dis, il n'y avait personne en face de vous. Mais parce que personne ne s'est présenté contre moi. Donc c'est normal que vous ayez l'unité. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y en a un qui s'est occupé de moi à Marne-et-Gondoire, hein, je le dis au passant. Bien, allez, continuons. Donc 19h, voilà. Hein, ça nous semble une heure correcte. Et voilà. Alors la formation des élus, oui, effectivement, c'est en cours. C'est Christian qui est chargé de cela. On est en train de préparer, il y a divers organismes qui nous proposent. Hein, c'est une formation gratuite. Hein, si tu veux dire quelque chose, Christian. Donc c'est dans le cadre du dispositif le DIF qui effectivement permet, hein, certaines en début de mandat, on est sollicité, tous les élus sont sollicités par divers organismes et instituts pour qu'effectivement il y ait une formation des élus suivant les thématiques souhaitées. Donc on est en train effectivement, on est sollicité, on est en train de regarder effectivement comment les élus pourraient participer, sachant que c'est dans le cadre du DIF, j'y reviens, et que c'est la Caisse des dépôts et consignations qui gère cela, hein, bien entendu, et apparemment il y a quelques
quelques crédits. Voilà. Et puis également Marnay-Gondoire le fait également. Hein. Marnay-Gondoire, je pense que voilà, donner. Voilà. Qu'on vous communiquera. Voilà, mais voilà. On n'a rien arrêté pour le moment. Vous l'aurez rapidement. Et comme il y a une réunion la semaine prochaine, tu pourras communiquer au numéro. Sur ce point, quand oui. même, il y a ce qui existe avec le DIF, certes, oui. mais la commune a une obligation aussi. On le faisait, mais on ne l'a jamais. On a voté donc des c'était le sens de la question. On savait très bien qu'il existait le DIF, mais le DIF. Mais le sens de la question, c'était qu'est-ce que vous avez prévu au sein de la commune pour la formation des élus, mais en termes de budget. Non, mais monsieur Déré, vous savez qu'on est quand même dans une situation assez délicate, plus que délicate, hein, que l'avenir. C'est la loi qui vous oblige, monsieur. Mais on l'a toujours fait, on ne l'a jamais utilisé. Mais c'est la loi qui vous l'oblige, vous auriez dû présenter un plan. Si on peut trouver des formations gratuites, on mettra des formations gratuites. Pourquoi mais la loi l'oblige. Pourquoi pas, mais il faut faire un plan. De formation. Et qui n'est pas seulement à la majorité municipale, qui est ouvert aussi à l'opposition. Ben ça vous sera ouvert. Vous choisirez directement. Voilà. Donc, Christian s'en occupe et vous le communiquera. Ah. À la première bis. Mise à disposition d'un local pour les élections de l'opposition, les élus. Bon, vous savez que même nous, les adjoints, on n'a pas de local. Donc, on cherche. Hein, mais c'est fonction de notre budget. On n'a pas, pour l'instant, on n'a pas de locaux disponibles. Voilà. Mais on cherche. Hein. Juste une précision, oui. parce qu'apparemment, il y a une confusion. Nous, on ne demande pas un local attitré, on demande un créneau horaire une fois par semaine sur une salle existante. Bon, bah. Oui. On va Bon, c'est si vous, Madame Boudou. Madame Boudou, ce oui. que je vous propose très, très humblement, si vous vous arrangez avec vos collègues, soyez déjà, le porte-parole en fait. De l'opposition. Vous êtes beaucoup plus clair quand vous faites vos demandes. Hein. Parce qu'on nous a demandé un local. Maintenant, si vous demandez des créneaux horaires, on va regarder. D'accord. Hein? Ah bah c'est aussi simple que ça. Hein? Ah ben, écoutez, ce n'est pas la demande qu'on a eue à l'origine. Ah. Bon, on va regarder ça, on vous répondra. Bien. Voilà. Donc, d'autres... Bon, on a épuisé les questions diverses. Donc, je vous propose de clôturer ce conseil. Il est 20h31. Merci à vous.